quelques jours, toi et les enfants, vous partirez. Ensuite, je vous rejoindrai en zone libre. Vous fermez la boutique ? Oui, mais c'est toi qui vas la racheter. Moi, je peux pas parce que j'ai pas du tout les moyens. Si, parce que c'est moi qui vais te donner l'argent. Et à la fin de la guerre, on fera l'échange inverse. Monsieur Hoffman. Merci. Voilà, t'es chez toi. On dirait qu'on est des voleurs. Pourquoi voleurs ? On fait rien de mal. Au contraire, on rend service. Monsieur Hoffman, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai pas réussi à prendre le train. Les Allemands contrôlaient tout le monde. Ne vous inquiétez pas, monsieur Hoffman. Vous allez rester caché le temps, on trouve une solution. À ta place, je ferai attention. Je recommanderai votre travail. Attention à quoi ? Avec le risque qu'on prend en vous cachant ici. Vaut mieux être bien avec eux, non ? Tu me payes combien ? Disons la même chose que ce que vous me donniez avant. Vous allez enfin pouvoir travailler sur des pierres dignes de ce nom. Espèce de salopard ! Tu me fais travailler sur des bijoux volés aux Juifs. Ouvre ! Soyez raisonnable. Remettez-vous au travail. Bonsoir, monsieur Lam. Monsieur le bijoutier. Santé. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Tu comprends, ça, c'est pour nous protéger, nous. Arrête de me regarder comme ça ! Vous avez de la chance. Mais la chance est comme la guerre. Ça ne dure pas. T'es fou. Mais on vit une période de fou. Vous n'auriez jamais dû lui proposer cette boutique. Avant, on n'avait rien, maintenant il veut tout.